Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai une bonne tête. J'ai des beaux cheveux, pour une fois ça change. J'ai mal dormi. Par contre j'ai passé une bonne soirée, c'était cool. On s'est fait un petit plateau repas devant les aventuriers, comme d'hab. Nous on aime bien regarder les émissions où il y a des épreuves sportives et tout là. Et du coup, bah, à chaque fois, quand il y a les 50 ou quand il y a des choses comme ça, les aventuriers, on regarde tout le temps et tout. Du coup, on a mangé des churros avec des tenders de poulet et des petits palets au camembert que je vais racheter aujourd'hui parce qu'on doit faire un plein de courses. Avec tout ce qui se passe là avec les agriculteurs et tout, il ne va plus rien y avoir dans les magasins. On se dit, vaut mieux faire un petit plein. On ne sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. Mais après, on est force à eux, on est avec eux, hein. C'est pas ça le souci, c'est qu'on n'a pas envie de crever la dalle, quoi. Donc voilà, mon chéri, ça fait pas longtemps, il est rentré du travail, il est en train de maquer. Petite quiche au poireau et petite salade. C'est moi qui lui ai dit, parce que là, il voulait reprendre des croque-monsieur, il n'y en avait plus. J'ai dit, bah pour changer, prends une petite quiche au poireau, il aime bien les poireaux, il arrête pas de me dire en ce moment il a envie de manger des poireaux. Je dis ah, tu prends une quiche au poireau. Et du coup voilà, et je vous mettrai la petite photo, je l'ai pris en photo, le plat que, enfin le gros plateau qu'on avait fait, enfin la grille, hein, c'était dans une grille. Et puis c'était cool, c'était sympa. Alors par contre j'ai super mal dormi. Enfin mal dormi, je me suis encore endormie dans le canapé, j'ai regardé le film Prémonition avec Anthony Hopkins, c'était trop bien. Après, il y a des passages, ça me parlait, je me disais, ah, je crois que j'ai déjà vu et tout. Je pense que, ouais, je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu il y a très très longtemps. Et au début, je comprenais pas trop le sens du film et tout. Et en fait, plus le film avançait, plus je comprenais le sens. Et franchement, c'était trop bien. Bon film à regarder. En plus, Anthony Hopkins, c'est vraiment un acteur trop génial, quoi. Moi, j'adore cet acteur. Voilà, ensuite j'ai regardé Police Judiciaire, je me suis endormie, hein, j'ai pas regardé très longtemps. J'ai cané, paf, toute Cécile a fait game over. Sauf qu'à 3h30, je me suis réveillée. Depuis vendredi, j'ai mal à la tête. Ça me fait des espèces de coups de jus. Alors un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là. Depuis vendredi, James il me dit bah prends un antidouleur et tout. Et j'insiste à dire non, ça va passer, ça va passer. Cette nuit, j'étais obligée de prendre un antidouleur parce que. Parce que j'arrivais pas à dormir du coup, de 3h30 à 6h, impossible de dormir. Je me suis levée, j'ai pris un antidouleur, ma fille s'est levée en même temps. Je lui ai dit, tu te lèves rien de bonne heure. Elle me dit, ah oui, j'ai mes cheveux à faire, alors ça prend du temps, je suis obligée de me lever de bonne heure. Je dis, bah ouais, bah, c'est normal que tu es fatiguée après. Hein. Madame, le temps qu'elle prépare ses cheveux, sa permanente là, mademoiselle. Donc voilà, et puis bah, aujourd'hui ça va être grosse course. Mais avant tout ça, parce que du coup, je me suis levée à 6h, mais je me suis recouchée, je me suis rendormie vers 7h30. Là, il est 10h48. Ça fait 20 minutes, une demi-heure que je me suis relevée là. Ça va, j'ai pas grand-chose à faire. Par contre, vu qu'il fait pas très froid, je vais en profiter avant les courses de faire mes carreaux. Parce que mes carreaux, c'est les carreaux de la honte. Je vous explique même pas l'état des carreaux. D'ailleurs, j'appréhende de les faire cela. Puis après, bah, j'ai quoi? J'ai un peu de linge à faire. Le lave-vaisselle. Oui, le lave-vaisselle, j'aime bien l'appeler le lave-vaisselle. Et puis voilà quoi, je vais faire de petites trois bricoles dans la maison. Et comme on va faire un gros plein de courses, je vais pas l'inclure dans ce vlog-là. Je vais faire un retour à part. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux. Et hop, je me mets à mon petit coup de ménage. Après, je vais me préparer. Et je vous reprends. Bon bah les amis, me revois Lou. J'ai fait tout mon petit ménage. Et du coup on a été directement à terre, j'ai fait la douche, tout. On est parti directement à terre, je vais faire le retour tout de suite parce qu'il est déjà 16h et finalement le gros retour de course. On est obligé, lui là derrière. En tout cas carreau. Il faisait froid hein, quand j'ai fait les carreaux, il y avait du vent. Du coup on a fait des petites courses parce que là il est déjà 16h, les petits vont rentrer, y aller le voir, tout. Donc voilà, donc du coup, on a pris des bananes, 1,35 je crois, des gaufres liégeoises comme d'hab, 1,71, on en a pris deux,
Ah, t'as pris une pizza? J'avais pas vu. Ensuite, on a pris du saumon. Ce soir, j'ai envie de faire ça avec des petites pommes de terre et des tomates à la sauce beurre d'ail. Ça va être bon. Donc, bah après, c'est des petits pavés, hein. À différents prix, 3,77. On a pris un poisson blanc pour mon fils. C'est du... la dorade. Il aime pas le saumon. La dernière fois, il a vomi. On va pas le forcer à manger du saumon. 2,01. J'espère qu'il n'y a pas d'arête dans la dorade, là. Hein? C'est pas écrit. C'est du filet, normalement, non? Voilà, 3,95 celui-là, ça va être pour le père. Celui qui aura le plus gros bout. Et puis un autre à 3,89. 130 grammes, c'est des petits bouts après. Bon, c'est suffisant. Ça, ensuite j'ai pris. On a pris des pommes de terre comme ça, micro-ondes, parce que je voulais faire d'abord revenir mes petites pommes de terre grenailles, mais il n'y en avait pas. Il y en avait, mais il y en avait une vingtaine. Elles étaient toutes pas belles. Donc du coup, j'étais obligée de prendre ça. Toutes les autres pommes de terre, elles étaient pas belles. Donc il va falloir que je fasse tout un micmac pour faire mon plat. Ensuite, on a pris deux gels douche. Comme d'hab, on les sensitive. 1,59€ les pommes de terre et dedans, il y a 750 grammes. Du gel. Il a combien le gel? Te rappelles plus? Ouais, 5, presque 5,40, je pense, comme ça. 5,40. Je vais 5,40. repréciser les prix dans l'écran, comme ça. Quand c'est les bons prix, je les mettrai pas quand j'indique les bons prix, comme d'hab. Et quand c'est pas les bons, je mets le prix. Parce que des fois, même, on voit les prix, mais finalement, quand ça passe à la caisse, c'est pas le bon prix. Hein. Donc, un gel, un shampoing, j'ai jamais testé. J'ai pris du Lavelle. Alors, je vous dis, d'habitude, je prends de la marque. Mais là, comme on va à l'action samedi, j'ai pris ça pour dépanner en attendant. C'est pour cheveux secs, abîmés et frisés. Nourri, adouci. Et c'est au karité et macadamia. Je vous dirai ce que j'en pense quand je le terminerai. Ma fille de mal à cirque. Donc, du coup, il me fallait un pique-nique. On lui a pris une petite salade. Manhattan, œuf poulet rôti, fromage. Et même que la fourchette, elle se mange, je crois. Fourchette comestible, c'est marrant ça. Pas donné cette salade-là quand même. Une pizza, chorizo. Comme ça, non. Moi, je commence à plus avoir de place sur la table. On a vraiment pris ce qu'il fallait pour aujourd'hui, hein, parce que, puis bah, deux, trois gel douche et tout ça, quoi. Bon, on a pris un grand café, parce que si on en prend un par un, je prends galet. Voilà, quatre, y en a quatre dedans. C'est moins cher. 4 fois 250 grammes. Niveau promo, Inter, c'est zéro en ce moment. Pas trop de promo là-bas. On a pris un gros Benko parce que la différence de prix au kilo avec le petit, et bah franchement, il y a quand même un bon écart. Donc on s'est dit, on va prendre directement le gros. Puis de toute façon, à la vitesse où il part, le Benko, je vous raconte pas. Des petites tomates pour agrémenter un peu le saumon avec les pommes de terre. C'est trop bon. Avec la petite sauce au beurre là. De toute façon, je vous ferai voir tout ça après. Du coup, bah, j'ai pris une petite persillade. Désolée, hein. Je ne sais plus où rien mettre. Hop, des petites pommes potes comme d'hab, comme banane pour le pique-nique. Comme ma fille elle a mangé pique-nique, mon fils il va vouloir manger pique-nique, on lui a pris un sandwich. Il n'y avait rien d'autre. Les rayons étaient un peu vides encore quand même. Pain tendre et doux. Ils sont bons ceux-là, moi je les aime bien. Hop. Un petit coca, j'avais 1 € sur boisson gazeuse, du coup on ne l'a pas payé. 1,10 € je crois. J'avais 1 €, donc du coup il m'a coûté 0 €. Un beurre, 1,87 €. Et puis à l'euro, je me suis dit, faut que je me rappelle du prix, mais je ne me rappelle déjà plus. C'est ça que je vous parlais qu'on a mangé hier.
Des palets fromagers au camembert. Et je vous assure, c'est de la bombe. Après, ils sont tout petits. Hein, parce que quand on les voit dessinés là comme ça, on croirait qu'ils sont gros. Ils sont tout petits, je vais vous faire voir. Mais franchement, c'est trop bon. D'habitude, quand j'en achète, le fromage, il n'est pas coulant. J'aime pas du coup. C'est... Ou alors, il n'a pas de goût. Que là, ça a bien le goût de camembert. Et quand on le mange, le fromage, il coule et tout. C'est trop, trop bon. 2,50€ et quelques. Mais c'est petit, hein, c'est pas très gros. Hein. Mais hier, j'en ai mangé 4. Ça m'a calé un peu avec des churros, là. Vous savez, je mange pas beaucoup, moi. Et bah, franchement, j'ai été calée. Donc voilà, ça y est. Pour les petites courses d'aujourd'hui. Donc ben là, je vais ranger tout ça. Il manquait juste l'aspirateur à passer. Ranger le linge. Il va y avoir les devoirs et tout, là. Parcours du combattant avec les devoirs. Les enfants, ils aiment pas l'école. On galère. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, je vous reprends après. Ça avance, tout doucement, mais sûrement. Du coup, bah, là, je suis en pyjama, je viens de m'y mettre. J'ai fait chauffer un petit peu le saumon, les patates, elles sont au micro-ondes. Et puis, je vous fais voir. J'ai pas encore mis le poisson blanc parce qu'il est tout fin, donc il va être beaucoup trop cuit. Et là, j'ai commencé à mettre un peu le saumon à chauffer. Là, je vais enlever la peau, je vais le remettre un tout petit peu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Enfin, ça donne pas grand chose, hein. J'ai pas encore mis les patates. Donc là, j'ai remis le poisson blanc. J'ai remis à peu près 5 minutes, histoire que ça dore un petit peu, avec du beurre au fond. J'avais déjà mis du beurre dès le début. Et puis bah là, je vais rajouter les pommes de terre. J'ai fait une petite sauce. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai fait une petite sauce avec le beurre. Persil et ail, et ensuite je vais rincer mes tomates que je mettrai aussi dedans. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à mettre la sauce par-dessus. Attendez, parce que je fais tout d'une main. On va remélanger un petit peu. Histoire que les patates, elles soient pleines de beurre. Qu'elles soient pleines de beurre, quoi, en fin de compte. Et voilà, j'ai tout bien retourné les pommes de terre pour qu'il y ait plein de beurre partout. Hop. Et là, je vais remettre un petit peu au four et puis c'est bon. On va mettre la table. On va mettre la table et on va pouvoir manger. En tout cas, ça sent trop bon. Je pensais que j'allais plus galérer parce que vu que c'est pas des pommes de terre grenaille, je me suis dit, ah, je vais galérer et tout. Et en fait, non, pas du tout. Bah, du coup, je pensais pas qu'il était aussi tôt, mais il est 6h30. On va pas manger à cette heure-là. Du coup, j'ai éteint le plat et puis je l'ai laissé dans le four chaud et puis je remettrai 5-10 minutes quand on va manger, quoi. Donc voilà, voilà. La fille trop pressée. Non, mais j'avais envie de faire les choses vite pour être tranquille et être posée. Du coup, là, je me suis mis dans mon lit. Je vais finir mon montage. J'ai fait quasiment tout le montage. J'ai plus qu'à mettre les dernières petites séquences, prises. Je sais pas trop à chaque fois comment on dit. C'était super bon. Franchement, c'était même bien calant. On a presque tout mangé. Il reste plus que ça. Du coup, on va regarder pour demain midi ou si j'ai encore un petit creux après, je sais pas. Non, je pense que je vais faire ma petite soupe que je fais d'habitude et puis voilà quoi. Voilà, on peut se poser tranquille, tout est fait, le café est cool, c'est la classe. Bon, bah, je vais vous laisser là et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bisous!